Depuis quelques jours, plusieurs localités de l'arrondissement de Fimela sont confrontées à un problème d'eau, une irrégularité dans la distribution de l'eau. De l'avis du directeur général de la société d'exploitation d'ouvrages hydrauliques CEO, le problème est dû à des dépôts de calcaire au niveau des conduites. Mais les techniciens ont su apporter à titre transitoire une solution. Donc nous avons identifié ces poches-là, ces points sur lesquels le calcaire s'est développé et nous l'avons arrêté le système pour pouvoir nettoyer et pouvoir avoir un meilleur débit de transit après. Donc ce sont ces travaux-là que nous avons démarrés depuis le mercredi. Nous en sommes là, la première conduite est presque terminée, donc qui va être mise en service aujourd'hui. Nous avons attaqué aujourd'hui la deuxième conduite pour pouvoir aussi mener les mêmes opérations en différents points. Donc normalement les autres travaux vont durer au maximum, on en aura jusqu'à mardi. Selon le directeur des travaux de l'Office des forages ruraux venu s'enquérir de l'état d'avancement des travaux, toutes les dispositions sont prises pour résoudre définitivement la lancinante question de l'approvisionnement en eau potable de l'arrondissement de Fimela. Nous avons visité ce matin à partir de Tasset jusque-là pour voir un peu les points de singularité et là où, en tout cas, le détartrage de la conduite a été fait. Ça, c'est les solutions d'urgence qui attaqueraient directement le château d'eau de Diakhanor, pour pouvoir en tout cas desservir tout le parmarin. Des pelles mécaniques sont mobilisées. Selon les techniciens, les dépenses tournent autour de 3 millions de francs CFA par jour pour l'entretien des réseaux.